logique soit. Soit vous avez un ranger tagué qu'on a fait une vidéo, là on va vous servir. Ok. Donc moi, ma Magic Slot, quand tu fais la voiture qui est bloquée, elle a rentré le service de ma boîte. Je l'avais dit, je vais m'en servir pour faire les jambes de cette voiture-là. Vous voyez les jambes, comme ok. Donc avec du premier, je peux faire du bâton. Donc ce que je vais faire, on va dupliquer cette voiture afin de pouvoir créer du bâton. Donc pour cela, c'est sur le je vais le faire aussi en. Donc on aura pareil. Donc pour ce glitch, je peux vraiment te viser libre les amis. Et avoir des guerres. Dans le centre d'opération, enfin dans le bunker. Voilà, on va laisser la voiture ici contre le mur. Et on va laisser la porte ouverte. Ok, donc là les paramètres. Visée libre. Ensuite, en ligne, vous allez dans option. Animation à pied, j'ai mis boire Peace Waver. Au cas si dans le bunker je pourrais pas avoir accès aux bières. C'est une précaution. Avoir les bières pleines au max. Ok. Et surtout le type de sac en privé. Et avoir aussi les stocks dans votre bunker, c'est très important. Ok, donc allez, c'est parti, on commence. Vous rentrez à l'intérieur de l'opération. On va aller en face. Vous allez vous mettre ici. Voilà, vous voyez, là j'ai accès, appuyé, flèche de droite, ok. De là, j'ouvre le téléphone. Activité rapide, je vais aller dans les passe-temps. Bras de fer, seul. Et là, je vais valider et faire flèche de droite. Je valide, flèche de droite. Je me connecte. Je lance la mission. Je confirme. Flèche de droite. Connexion, start. Flèche de droite, connexion et start. Voilà, de là je fais rond et je sors par cette porte là. Toujours sortir par cette porte. Et à partir de là, il faut que je me dépêche d'aller à mon bureau dans le bunker, face aux caméras. Allez, on se dépêche. Hop. Comme vous pouvez le constater, j'ai pas la bimicar pour l'instant. Devant, hop, c'est de droite. Voilà, on voit pas. Je peux ouvrir mon téléphone. Ok, de là, on est encore foutu. Ok, on est encore bugué. C'est là, obsession. Vous voyez le premier. Je refuse le deuxième. Voilà, de là, on va se suicider. Pavé tactile. On va aller dans style, non, pas le tactile, inventaire, en cas, voilà, on a accès aux bières. Donc de là, croix pour l'utiliser, je maintiens croix enfoncée, jusqu'à ce qu'il lâche la bière. En tout, en moyenne, c'est 8 bières pour qu'il tombe dans les pommes. Il la lâche, je refais croix, je maintiens croix enfoncée. Ah,
aux arrêts. Je maintiens fort enfoncé. Chaque fois que sur 3. Donc n'oubliez pas de faire le plein à chaque fois, hein. Très important les gars. 3. Ça va être bon. Allez, ça va être la dernière. Voilà, ceci a pour but de nous faire réapparaître du côté de chez Trevor. Donc de là, la première chose à faire, moi je vais aller acheter les bières directement. Comme vous pouvez voir, j'ai toujours pas la carte, donc ça veut dire qu'on est bien bugué. Voilà, Peace Waiver, ok. De là, on va demander l'équipe de PDG, on demande le bizarre. Puis de là, on va aller à la boîte de nuit. À la boîte de nuit, à l'emplacement, à la place de service, juste à l'entrée de la boîte de nuit, j'ai ma voiture buggée, ma Magic Slot. Ok, en fait ce glitch, ça équivaut à un switch de véhicule, quoi. Entre guillemets, je vais switcher ma voiture qui est buggée avec la voiture que je vais dupliquer. En fait, le bug de la voiture, il va se transférer dans la voiture que je veux dupliquer, ce qui va me permettre de fabriquer les jantes par la suite. Why, hello, how you doing? How can I help? No problem. I'll scramble the signal for 1 minute. À la boîte de nuit, là, je vais rentrer à l'intérieur. Entrez dans votre boîte de nuit.
Donc ça, à la base, c'est un glitch de duplication, mais ça se fait pas avec la boîte de nuit. Ça se fait plutôt avec le hangar, c'est juste de la dupli. J'essaierai de vous faire une vidéo sur celui-là. Ça, c'est une nouvelle manip sans complexe. Ok, ça, c'est ma voiture buggée. C'est ma Magic Slot. Ok. Donc moi, entre guillemets, je vais bugger la voiture que j'ai en centre d'opération afin de pouvoir faire les jantes. C'est ce qui va me permettre. Ok. Donc là, je monte dedans. Et je vais accélérer normalement. Voilà, nickel, c'est ce qu'il faut qui se passe. Ça veut dire que ça marche super bien. Donc, de là, pareil que tout à l'heure, est-ce que j'accède à l'inventaire ici dans la boîte de nuit? En cas, Peace Weaver. Voilà, vous voyez, déjà par rapport au complexe, on a directement accès. Donc, croix. Qui jette la bière en maintien croix enfoncé. Et là, on va réapparaître en ville. Pardon me. Donc là, je vais redemander en bizarre. Et de là, je vais d'abord aller chercher encore des bières. Je vais chercher des encas, au moins ça sera déjà fait. Allez, c'est parti, direction au bunker. Bon, quand vous avez vu la voiture disparaître, ma voiture buggée. En fait, elle a bugué la voiture qui est restée à l'intérieur
centre d'opération, celui était qu'on a mis contre le mur. Elle a bugué. Dans mon bunker. Normalement, la voiture devrait y être. Voilà, nickel. Tout fonctionne à merveille. Bon, vous montez dedans. Là, ça devrait mettre complet ce plein. Voilà. Ce qui fait que l'original, celle qui n'est pas buggée, elle va retourner au même endroit. Elle va retourner à la place dans la boîte de nuit. Là, je confirme. Voilà, vous voyez. Et de là, j'ai cette voiture-là qui est buggée. Et voiture qu'on peut changer les jantes. Par contre, quand vous aurez changé les jantes sur cette voiture là, vous serez obligé de faire une duplication. Pourquoi? Parce que la voiture buggée, vous savez, je sais pas si ça vous est déjà arrivé de perdre toutes les améliorations d'un véhicule. C'est ce qui vous arrivera. Ok, donc là je suis buggé. Bah, ce que je vais faire, on va faire comme ça. J'ouvre le téléphone. On peut sortir ou pas? Ouais, on va se suicider.
what's wrong with her now? Là, vous allez dans type de roue. Type de roue, vous allez dans sport. Change de série et vous choisissez la numéro 16. Voilà. De là, vous allez couper votre réseau. Vous allez avoir un message pour retourner à GTA. Ok, vous le validez et de là, vous remettez votre cours. Une fois dans le mode histoire, vous avez juste à faire start en ligne et aller en session. Ok, allez, c'est parti les potes. Donc voilà, j'ai coupé mon réseau. On retourne à GTA en mode histoire. Hey, listen, baby, that was great. Voilà, start. Je vois, j'étais online. Go. Allez, c'est parti, allons voir ce que ça a donné. What brings you in today?
better than when she came in, that's for sure. On va dans les roues. Pneus. Rapport des pneus. Et là, vous pouvez changer les lignes blanches. Pour les rageux, voilà.